pour laquelle un seul sou n'a été sorti par nous pour le transport de chacune de ces personnes démontre que vous êtes engagés pour le retour. Démontre que vous avez soif du développement. Nyando que tu vas quand l'or, en tant que tu as quand l'or, pour que Béata t'alors. Mesdames et messieurs, chers parents Baoulé, c'est nous faux. Et toute la population haïtienne qui vit en harmonie donc avec nos parents de Diarabana, je vous salue. Depuis 14h, vous êtes mobilisés. Depuis 14h, vous êtes mobilisés. Et cette mobilisation exceptionnelle qui persiste dans la nuit noire doit être saluée. Je vous dis, chers jeunes, un homme, quand il ne veut pas de quelque chose, il dit non. Un homme, quand il ne veut pas de quelque chose, il dit non. Vous ne devez jamais monnayer votre dignité pour quoi que ce soit. C'est pour tout que ce soit. Quel que soit le prix à payer, restez digne. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de 2025. Le combat que nous menons aujourd'hui pour la jeunesse, pour nos mamans, pour nos parents, c'est pour 2025. La campagne n'est pas encore ouverte. Je suis député de la circonscription de Sifié, de Kamalo et de Roufla. Et je suis député au titre d'un parti qu'on appelle le RATP. Mais je suis aujourd'hui candidat indépendant. Candidat indépendant face à un autre candidat que vous savez. Je pense que les gens doivent pouvoir lire les choses. Quelqu'un qui n'est pas aimé dans sa région, quelqu'un qui ne pèse rien, est-ce qu'il peut mobiliser tout ce monde de est-ce que toutes ces jeunesses que les uns traitent de mendiants, que les autres traitent de buveurs de Calao, ah, est-ce que toute cette jeunesse n'a pas son mot à dire dans les décisions de cette région? Le combat que nous menons est pour le développement de notre région. Un ministre, il est nommé. Un DG, il est nommé. Un sous-directeur, il est nommé. Mais pour un président de conseil régional, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. C'est vous qui décidez. C'est vous jeunes qui décidez. C'est vous parents qui vous... mais qui décidez. C'est vous nos mères qui décidez. Vous savez, on ne menace que celui qu'on craint. On ne menace que celui qu'on craint. On fait circuler qu'il n'y a personne avec Dr Abdoulaye Meïté. Ce ne sont que des analphabètes. Ce ne sont que des buveurs de Calao.
Mais ce que ces buveurs de Canaan vont leur montrer. Ce que ces buveurs de Canaan vont leur montrer. Qu'on ouvre enfin cette campagne pour qu'on puisse parler. Parce que frère. J'entends dire que des communautés sont menacées. J'entends dire que des communautés sont menacées. Si jamais, on vous rassure, il n'y aura rien. Celui qui menace est animé par la peur. Sinon, quand on est sûr de soi, comme Dr Meïté et sa jeune équipe est sûr d'elle, on menace pas. Quand on ne doute pas de ses compétences, on ne va pas menacer nos parents en brousse. Quand on est sûr qu'on a dit la vérité en haut, on est serré en bas campagne, on n'insulte pas, on ne menace pas. Allez leur dire qu'on n'a plus peur. Ils ne nous font pas peur. Et tous rassemblés, ce qu'on va leur montrer, je vous le promets, ça sera fait de la façon la plus démocratique possible. Et ce sur quoi ils comptent, comme ils en ont l'habitude, cette année-là, ça va être dur. Ça va être dur. Vraiment, je suis bloqué dans mon élan parce qu'il y a des mots que je ne peux pas dire. Parce que les gens regardent. Dès qu'on fait la pitié, on dit non, il a commencé avant l'heure. Donc voilà. Mais on va aller mollo-mollo. Donc, jeune de Djalabana, femme de Djalabana. Vous savez, j'ai été obligé de faire un choix entre ma région et la position que j'occupais. Mon adversaire que vous connaissez, c'est vrai, il tourne, et il dit qu'il n'est pas responsable de l'arbre qu'il a posé. Mais je le connais. C'est le monsieur qui n'a jamais rien fait. Jamais rien fait. Il est tout le temps étonné. Mais quelqu'un qui est toujours étonné ne peut pas continuer avec nous. Il faut l'arrêter. On a besoin de quelqu'un qui est lucide et qui ne boit pas le calao. Parce que si tu ne bois pas le calao, tu ne peux pas t'arrêter devant nos parents de Mombra, nos parents de Kouana, pour dire que la jeunesse de Kouana, de Mombra, pas tant du Ouroudourou, est mal élevée. Quand tu le dis, mais c'est aux parents que tu t'es adressé. Quand tu dis que toute cette jeunesse boit du calao, mais qu'est-ce que tu as fait toi pour que ces jeunesses ne boivent pas le calao? C'est à cela qu'on doit réfléchir et apporter des solutions. Quand tu dis que la générosité n'est pas une obligation et que Dieu donne à qui il veut, donc toi tu donnes à qui il veut, ça veut dire que tu es comme Dieu alors. Et puis encore, ce que tu dis n'est pas vrai. Dieu donne à tout le monde
mais il ne donne pas de la même manière à chacun et au même moment. Dieu ne fait pas de tri entre ses enfants. Dieu ne fait pas de tri entre ses enfants. C'est nous les humains qui faisons des tris. Et quand tu deviens responsable d'une région, d'une commune, tu es le responsable de toute la population que tu as sous ton administration. C'est pourquoi le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas que le président de ceux qui ont voté pour lui. Il est le président de tous les Ivoiriens. Malheureusement, ici, on a des responsables qui sont responsables que de ceux qui répondent oui, oui, oui à tout ce qu'il dit. Mais je dis, moi je ne dirai pas oui à ce que je ne veux pas. Si je ne veux pas, je te dirai non aujourd'hui. Et pour la même chose demain, je te dirai non. Donc, chers jeunes, chers parents des communautés, restez sereins. Les gens ont peur. Ils ont peur de vous et ils veulent vous communiquer leur peur. Donc, n'ayez pas peur. Effrayez la peur et ils fuiront. Effrayez ces personnes. Et ils vous laisseront en paix. Est-ce que je suis venu une fois vous menacer? Jamais. Parce que je sais que c'est un garçon. Ils ont tout fait. Ils ont dit, bon, choisis entre ton travail et ta région. Ils disent, bon, oui, oui, choisis entre ton travail et ta région. Le travail que la personne n'a pas donné, c'est le travail que vos bénédictions m'ont donné. Et j'ai fait le choix de la dignité. Je dis le travail là. Le travail là. Prenez le travail, j'ai fait le choix de ma région. Et qu'il est à sa première fois, c'est son habitude. En 2018, souvenez-vous que la fille du maire de Kani a perdu son poste à la Sotra parce qu'elle était sur la liste de nos frères du Ouro-Dourou, Chaka Kopana. On croyait que ça c'était un petit phénomène. Mais cette année, ils sont bonifiés dans la destruction des cadres du monde. Mais ils pensent qu'il est Dieu. Ils pensent qu'il est fort. Mais ils ne savent pas que la force appartient à Dieu, à nos parents, aux femmes et à la jeunesse. Mais cette année, Dieu voulant, il va lire avec le soleil. Parce que toute cette population ne peut pas être réunie ici depuis 14 heures pour zéro. Ils ont soif de quelque chose. 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 Mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler pour le moment. Partout où nous sommes passés, c'est la liesse populaire. Partout où nous sommes passés, c'est du monde et du monde vrai, sincère, sans hypocrisie. Mais je vous demande de ne pas regarder d'un mauvais œil les cadres qu'ils ont alignés sur leur liste, qui ne connaissent pas leur village. Non, ils n'ont pas eu le même courage et la même détermination que nous
de dire non. Ils ont pensé à leur seul poste, mais n'ont pas pensé au Wodro. Mais ce combat, on va le mener jusqu'au bout. Ils disent que si j'arrive dans le Wodro, on va courir ensemble, mais je cours, je vois personne, je vois qu'ils sont seuls sur le terrain. Ils sont ceux qui peuvent courir à notre rythme. Ils sont ceux qui peuvent courir à notre rythme. Ah, ils n'ont qu'à se calmer. Celui qui est là, on appelle le Diamanja. La carte de qui? Mani Balou. Kalou. Banadjiki Ote Sekela Toulé. Banadjiki Ote Sekela Toulé. Anye kumake la bana di minga anyeo. A manje ta anya. A manwe du ta anya kumon. A manya bi. A tete nya asin. Neko Djeo. Ale le Dje patron le Côte d'Ivoire. Dje patron an de la mamine. Nana Wilu Minge, Djeka Bouyama. Allez, donnez le goût Djeka. Djeya, 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 Djeya. Allez, vous faites ça. Djeka, bon, il est non pas, mais il est le goût Moulo. Encoyez-moi. Encoyez bien comme un livre, non, Djeka. Parce que nous avons fait un peu de choses, nous avons fait un peu de choses, nous avons fait un peu. Donc, il a dit à Boudjé, nous avons fait un peu de choses. Si on fait quoi, nous avons fait assez, il parle, il mange, il nous a fait un peu. Et quand on fait comment faire? Aïe, t'as dit. Mais nous avons fait un peu. Parce que nous sommes du Kalili. Nous sommes du bébé de Lili. Donc, nous sommes là. Il faut que parce que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes mais peut-être comme à l'éternel, là, et nous n'avons pas Tesla le monde direct. C'est que. Comment on dit ça? Ça veut dire que nous sommes là. Oui, qu'elle est là, à l'éternel, là. Amandé, qu'à coquet qui n'est quoi, il est là. Mais c'est qu'à quel aboudéna, ni un malatonia. Et c'est qu'à quel chef d'éna, ni un malatonia. Et c'est qu'à quel amal ou d'éna, ni un malatonia. Parce que Bimambla, Bimambla, quand même, Don Lucien, non. Mais ni au la casse, à ta coquette, Koyala, Ayaka Doludje, Fiela Rudou, Ayaka Baba Doludje, Bola Rudou, Ayalo, Ko Tian Mol, le Lutier, Kela Komo, qui te sied de Punambola. Donne-moi le lui qui l'a fait. À Koto Tien, il a coupé. À manier un diamant, à tenir là, à n'y avoir de gourmand. Donc, au goût de mes lâches, les deux, ça n'y tente, ça va bien, à cause d'un temps, non. Il y a une école. Il y a une école. Bien qu'on en ait un qui est. Bien qu'on en ait un qui est. Il veut bien là, qu'on lui ait drogue maintenant. Mais à état diamant, non. Il est lié au dialogue, il est lié au patron. N'y en a encore qu'à là-haut, moi pour les trois, parce que mieux faut ennuyer le coso là, qu'au calao, qu'au l'eau, mais à le coco d'idolo, qu'on y a mis, qu'on y a ce qu'on a donné, allez les mines, parce que ni m'ont mis,
2025. S'il n'y a personne pour faire rétablir la vérité du Ouagadougou. Et d'ailleurs, ça sera dommage pour nous en 2025. Il ne faut pas que le président soit surpris en 2025. C'est ça le sens de notre sacrifice. C'est ça le sens de notre combat. Pensez-vous qu'en 2025, ceux-là, ils peuvent mener à bien le combat de notre parti? Pensez-vous qu'ils peuvent mener à bien le combat de notre parti? Ils peuvent donner les 90%, les 95% que le Ouagadougou donne habituellement à notre parti? Souvenez-vous qu'en 2018, le RHDP a obtenu 46% des voix. Ça veut dire quoi? Si les deux indépendants d'alors s'étaient mis ensemble, le RHDP tombait dans le Ouagadougou. Ça allait être la grande honte. Et je vais rappeler qu'en 2018, c'est moi qui ai battu la campagne de ce dernier, à Sifié, à Kamalo et à Roufla. Même un seul sou, il n'a pas donné en 2018. Donc si on réduit même l'effort que nous on a fait dans ces trois sous-préfectures, il ne restait plus rien. Ne soyons pas ingrats. La reconnaissance est une valeur qu'on doit cultiver. Et parfois, il se permet de dire que c'est grâce à eux que j'ai été vice-président. Non, ce n'est pas parce qu'il aimait Dr. Blaise Mété que j'ai été vice-président. C'est pour ce que j'ai apporté à l'effectif. C'est pourquoi j'ai été vice-président.
Et il y a plusieurs engagements pris et non respectés. Souvenez-vous que pour les élections départementales, je voulais m'arrêter, mais ça vient seulement. Pour les élections départementales, j'ai dû faire le sacrifice de 10 ans d'investissement sur le terrain pour céder ma place à quelqu'un qui était au conseil municipal d'Abobo. Tellement sa région ne l'intéresse pas. Pour que la région soit calme, pour que la région soit apaisée. Mais je ne peux pas être le seul à faire le sacrifice dans le Rodo. Je ne peux pas être le seul à me sacrifier. 10 ans d'investissement, 10 ans que j'entretiens les délégués, 10 ans que je les mobilise, 10 ans que je les fais travailler sur chaque espace de notre circonscription. Et j'ai laissé ça au nom de la paix dans le Rodo, au nom de la cohésion dans le Rodo. Et c'est celui-là qui est responsable de ça. Que vous voulez taper d'un coup de pied simplement comme ça. Ah non. Ils vont taper poteau. Ils vont taper poteau. Ils vont taper poteau. Un garçon, il naît une seule fois. On meurt une seule fois. Je suis docteur Abdoulaye Mété. Je suis docteur Abdoulaye Mété. Je suis docteur Abdoulaye Mété. La peur. C'est dans l'esprit. La peur, c'est dans la tête. La peur, c'est dans l'esprit. La peur, c'est dans la tête. J'ai 29 ans de militantisme politique. Et j'ai commencé la politique, donc avant nombreux d'entre eux tous. J'ai fait mes premiers pas en 1995. Et je ne renie pas mon passé. J'ai commencé en 1995 au PDCI. Et à la faveur du RHDP, j'ai intégré le RHDP. Depuis 2012, je travaille dans cet esprit jusqu'à ce que le parti soit formalisé. Et donc, ça fait 12 ans que je fais la politique dans ma région. Donc, jeunes, pour le combat qui arrive, c'est le combat ultime de la jeunesse. Ce qui appartient à la jeunesse, il faut donner ça à la jeunesse. Ce qui nous appartient, on doit prendre. 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 Et on ira prendre. C'est sur ces mots-là que je veux vous dire merci. Je suis fier de Diarabana. Je suis fier des jeunes de Diarabana. Je suis fier des femmes de Diarabana. Je suis fier des parents de Diarabana. Et je suis fier de votre fils, Fali. Mais des gens ont permis que ça ne se soit. C'est pourquoi je veux ici dire merci. Merci à une dame. Merci à une femme. Merci à une dame. Merci à une femme. Lomeko, 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 Lomeko. Merci également à des hommes, des jeunes qui sont constamment menacés. Il y a eu quelque temps, 2 jeunes, dont la maison a été cambriolée pour leur engagement pour Dr. Abdoulaye Mété. Dans cette petite ville de Diarabana. Mais c'est tout ça aussi qu'on veut changer. Je vais appeler ici Abou et Atu. Abou et Atu. Mais Abou et Atu travaillent sur l'autorité d'un aîné, sinon de 2 aînés. 2 aînés qui ont un prénom en commun. Et ça, les deux ont Adama en commun. L'un est Fofana, l'autre est Koulibaly. Je vous en prie. Adama, Fofana, Adama, Koulibaly. Ce sont les têtes que j'ai citées et tous ceux qui travaillent avec ces personnes doivent pouvoir se reconnaître en eux. Et au-dessus d'eux, mon jeune frère, Fallait qui n'est plus à présenter. Fallait,
Bien. Donc, à travers l'OMECO, c'est toutes les femmes qui nous accompagnent. Anna Berman, l'OMECO, quand nous voulons Anna. Ah. Bon. Voilà. Donc, c'est toutes ces femmes qui ont aidé à faire ça. Et qui ont décidé, si j'appelle toutes les femmes de l'OMECO, les bâches vont se vider. Donc, aïe salut, bila les deux filets. Aïe ta forme Luca, aïe ta forme Luca. Et donc là ce sont les vraies femmes qui n'ont pas reculé devant les menaces, qui n'ont pas reculé devant les injures, qui n'ont pas reculé devant les menaces incessantes. Nous, on ne reculera pas. Au nom de ces femmes, je ne reculerai pas. Au nom de ces hommes, je ne reculerai pas. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Advienne que pourra. On est bien les garçons. On est bien les garçons. On est bien les garçons. Coup de pied. Photo. Salam alaikum. Les liens ne vont pas réussir, ils ne vont jamais reculer, nous irons jusqu'à vous.